Alors, la haine est toujours plus clairvoyante et plus ingénieuse que l'amitié. Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle ? La haine, c'est une raison de vivre qui en vaut bien une autre. La haine n'a qu'un but, saisir toute occasion pour faire mal. La haine est un sentiment pénible qui froisse l'âme. Le monde est fatigué de la haine. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. Star Wars. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. La haine donne une raison de vivre. La haine est fille de la crainte. Donc la haine s'augmente quand elle est réciproque. Elle ne peut être détruite que par l'amour. La haine est la conséquence de la peur. La haine n'a jamais rien créé. La haine, c'est l'hiver du cœur. Jamais la haine n'a dit du bien de son ennemi. La haine est l'amour qui a sombré. La haine n'a jamais rien créé. La haine est la conséquence de la peur. Le monde est fatigué de la haine. L'amour et la haine sont des parents. Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle ? On n'est pas homme tant qu'on se laisse pas dominer par la colère. La haine n'est qu'une défaite de l'imagination. Non à la haine.